What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, le vendredi sur Destiny, c'est Xur, allez c'est parti. On va regarder un petit peu l'inventaire qu'il nous propose pour ce week-end. Allez, le Black Friday, peut-être qu'il va nous faire un petit truc, on sait pas. Alors on va commencer déjà avec les engrammes. Alors engrammes classiques, donc engrammes de l'année 1. Donc ça sert à rien de les acheter, ça vous pouvez déjà oublier. Au niveau des gants, on a les points d'immolation, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec donc... de la force, uniquement de la force, et confère l'effet bûcher détonnant. Voilà, donc pour ces gantelets, pour le titan. Pour le torse du chasseur, cette semaine, on a les cuissons d'Alpha Lupi. Donc ce torse vous permet tout simplement de réanimer beaucoup plus rapidement vos coéquipiers. Et ils vous réaniment eux aussi plus rapidement. Et votre super génère un orbe supplémentaire, voilà, avec un maximum d'intelligence. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, cette armure de torse, pour ceux qui ont pas vraiment l'habitude d'aller jouer en Osiris, et ben je vous conseille pourquoi pas de l'acquérir, comme ça vous pourrez réanimer vos coéquipiers plus rapidement et vous aurez quand même un petit avantage, pourquoi pas, sur l'adversaire. Au niveau de l'arcaniste, on a le plastron de la canine abyssale, donc avec de la discipline et de la force. Lorsque vous réapparaissez, le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum. Votre décharge d'action libère un projectile autoguidé supplémentaire. Voilà. Donc ça, il y en a quand même pas mal qui l'utilisent, quoique on le voyait quand même beaucoup plus souvent avant, je pense qu'on le voyait beaucoup plus souvent avant. Pour l'arcaniste, c'est vrai qu'il y a des trucs pas mal non plus, hein, les menottes du noir, des choses comme ça. Mais du coup, il est pas mal quand même ce torse, hein, à essayer. Au niveau du sniper, on a le stoïque, donc il y a un sniper avec des dégâts cryo-électriques. Donc il a deux capacités. Un camouflage s'active lorsque vous utilisez le viseur, donc en gros vous êtes invisible, un petit peu comme le chasseur épéiste. Et le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. Alors ce sniper, c'est vrai qu'on le voit très peu finalement. Bon, c'est vrai que certains diraient que le mec qui utilise ça, c'est un petit peu une pupute, j'ai envie de dire. Parce que voilà, se mettre invisible pour aller sniper les ennemis, c'est un peu sale quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'on le voit moins qu'avant, parce qu'en année 1, on le voyait quand même pas mal en PVP. Et finalement, on le voit beaucoup. Bon, après, vous me direz que c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, en tout cas, c'est une arme, c'est vrai que je pense qu'il est très peu utilisée. Bon, l'impact est vraiment pas très important, la cadence non plus. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est une arme qu'on voit de moins en moins. Pourtant, la stabilité, c'est vrai qu'elle est pas mal. Enfin, bref, voilà, c'est vrai que c'est une arme qu'on voit de moins en moins. Au niveau des ornements, cette semaine, on a un ornement pour le vérité, donc il s'appelle prototype. On a également un ornement qui lui est directement pour l'invective, donc il s'appelle iconoclaste. Voilà, puis comme d'habitude, vous pouvez acheter les épines de verre pour reforger un petit peu tous vos items exotiques pour changer, hein, pour passer par exemple de l'intelligence à la force, force discipline, intelligence discipline, enfin voilà ce que vous voulez. Donc ça, c'est les épines de verre qui permettent de changer directement les capacités du stuff exotique. On a les trois deniers également, on a les particules de lumière. Voilà, à vous de voir où vous en êtes par rapport à votre stuff. En tout cas, voilà, cette semaine, bon, c'est vrai que c'est pas fameux. Je pense que les items les plus intéressants à acheter sont quand même les cuissons d'Alpha Lupi et le plastron de la canine abyssale. Voilà, pour moi, ça reste les deux meilleurs items à acheter cette semaine. En tout cas, j'espère vraiment que cet inventaire de Xur vous a plu, que voilà, il vous a proposé aujourd'hui des items que vous n'aviez pas forcément. Et je vous souhaite un excellent week-end, les potes. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!